Yo les boys, aujourd'hui c'est un grand jour, c'est la remise sur route de ma première chipolata, ma 230. Pour la petite histoire, la voiture ça fait un petit moment que je l'ai, ça fait à peu près 2 ans, 2 ans et demi. Du coup là ça fait un an qu'elle roule plus depuis que j'ai acheté la Civic. Là ce soir c'est le grand jour étant donné que la Civic part à la fin du mois, faut que je la remette sur route. Et c'est pour ça que je lance le projet, le nouveau projet de la chaîne. Projet un daily à moins de 1000 balles. Donc l'objectif de la caisse, de ce que je vais faire avec la caisse, c'est littéralement d'essayer de faire un truc cool, un daily cool, un petit pestance à moins de 1000 euros, choper un petit set de jantes un peu sympa, 2-3 petites conneries par là, essayer de rechoper une jupe, etc. Parce que du coup la caisse avait déjà eu quelques petites pièces à l'époque pour la V1. Donc, je vais mettre, je pense, 2-3 photos et vidéos pour illustrer en même temps. Je lui avais mis une jupe de GTI, elle avait un capot de 205 automatique, des jantes de GTI 1.6 que j'étais parti chercher à Poitiers. Et je l'avais aussi chopé un petit volant OMP d'époque pour faire un peu sympa. Mais du coup c'était un peu la voiture, voilà, un petit peu la voiture délire où j'ai mis un petit peu tout et n'importe quoi comme pièce dessus. Et là l'objectif ça serait vraiment d'en faire un projet clean, de faire un petit projet cool, même si c'est une 205. Choper je pense des vieux feux d'époque un peu option à l'arrière, essayer de choper des clears pourquoi pas, faire 2-3 conneries, la poser par terre aussi. Et une fois que ça sera fait, déjà on aura bien avancé. Donc là on va faire une première V2, on va dire une V2 temporaire. J'ai déjà chopé quelques pièces, dont un volant Matplastia que je vous montre juste après, qui est déjà dans la voiture, qu'il faut que je finisse de fixer. Là l'objectif de ce soir c'est remettre la jupe, finir de serrer l'échappement, parce que j'ai commencé hier un peu tard dans la soirée. Donc là je prends le temps de filmer ce soir et du coup de faire les dernières finitions. Bon, je vous fais un tour tout de suite de la caisse. Du coup, comme je disais juste avant dans l'intro, faut que je remette la jupe. Parce que la jupe, du coup, j'avais mis une jupe de GTI. Et quand j'ai remis la caisse d'origine, il y a de ça à peu près un mois ou deux, j'avais vendu la jupe de GTI. J'ai remis aussi le capot du coup de 205 classique et pas de 205 automatique. Voilà, je pense que je vais juste conserver du coup le petit autocollant qui est là, le reshooter, je vais le laisser pour la ref. Mais sinon tout le reste ça va dégager, ce genre de merde là. Et puis je sais pas si on va voir, mais il y en a 2-3 à l'arrache à l'arrière. Du coup j'ai mis le flash. Pour ce qui est de l'intérieur, volant mode Plastia que j'ai chopé sur le bon coin, qui était pas trop dégueu. Donc en vrai il rend bien, faut juste que je termine de le fixer. Mais il rend grave bien dans la caisse. C'est bien parce qu'il fait un petit peu option d'époque, même si c'est pas un volant Peugeot, je pense, ça fait déjà très très propre. Après bon, il y a quelques détails comme le siège qui est fumé. Après la banquette à l'arrière, elle est en bon état, parce que c'est une banquette que j'avais déjà changée justement. Donc le seul truc c'est les deux sièges conducteur et passager. Sinon dans l'ensemble c'est clean. Aussi il faudra que j'isole cette petite merde, parce que là ça fait vraiment gitan. D'ailleurs ça je vais le dégager ce soir, parce que j'ai une infiltration d'eau justement ici, et quand tu prends les virages ça te pisse sur les genoux, c'est ultra chiant. J'entame ça tout de suite. Les riselants, parce qu'il n'y a rien de nouveau. De refixer cette merde normalement. Ah ouais, ça aussi faut que je le fasse. Ça c'est l'ancien poste et je voudrais mettre le poste de la Civic dans celle là parce que vu que ça va devenir le daily du pauvre, pas envie de devoir rouler avec un émetteur Bluetooth qui pue la merde. Donc une fois que j'aurai retrouvé la vis, je remonterai le volant. Ah bah tout simplement quoi. Il faut que je chope une clé qui passe sur cette merde. Étant donné que je suis équipé comme
le nouveau set de la civile du coup. Ouais. Du coup, étant donné que je suis équipé comme un putain de clochard. Je te cache pas, je sais même pas si le volant est droit et les roues sont droites. Déjà, j'ai regardé si les roues ont l'air droites. Les roues sont droites. Et le volant, il l'est pas. Putain! A few moments later. Du coup, cette fois-ci, c'est carré. On va fixer cette merde. Enfin, je vais trouver un petit centre de volant Peugeot, histoire que ça fasse plus joli, parce que là ça fait dégueulasse. Mais déjà c'est lourd. Du coup je vais revenir un peu sur le projet de ce que j'ai parlé juste avant, vis-à-vis du projet à 1000 balles. Pourquoi faire ça surtout ? Bien, tout simplement parce que j'en ai marre de fils de spéculateurs de merde qui mettent des prix de pièces de 205 comme si c'était des Ferrari ou des Porsche. Moi j'étais mort. Je me mets au défi de monter une 205 à pas cher. Donc on verra ce que ça donne. Si c'est une chipo, bah j'irai me faire en c. Sinon bah bénef. La vieille pute démarre silencieux, montée, volant, montée. J'ai essayé de jeter un poste radio dedans, celui de la Civic. Je pense qu'il faut que je refasse le câblage, tout est mort. Je verrai ça avec mon jeune Arthur pour qu'il me refasse tout mon câble. Il sait déjà d'avance que ça va être la merde. Sinon tout marche, les Komodo galèrent un petit peu de temps en temps, mais je pense que c'est l'humidité vu que ça fait un an qu'elle a pas roulé. Bref, tout est fait. Il faut encore que je fasse le plein d'eau, mais je voulais déjà la démarrer, voir si c'était ok. En vrai, j'ai essayé de faire un peu différemment cette fois-ci, vous verrez, j'ai filmé au téléphone, enfin à l'iPhone, les plans de près et faire des plans cam un peu plus posés, histoire que ça fasse un peu plus sympa et moins la tremblote, vu que j'ai pas d'objectif stabilisé encore. Dans tous les cas, on en reste là pour aujourd'hui, je vous retrouve du coup samedi. Je monte à Poitiers pour un rolling sur une Jetta et du coup on prend la 205 justement pour pouvoir rouler chill avec et avoir une caisse qui est relativement assez souple pour pouvoir faire un rolling sans que ça tremble dans tous les sens. SO la Civic, SO la G2 qui sont pétés dans le sol et qui rebondissent. Petite pause de fin, finalement ça sera pas dans cet épisode là, le rolling ça sera dans le prochain épisode. Vu que j'ai pas fait de outro, je vous fais une petite voix off histoire que ce soit plus simple à annoncer. Donc on se retrouve bientôt pour le prochain épisode avec le rolling de la Jetta et les prochaines modifications de la 205. Bisous.